Former les futurs acteurs africains pour un meilleur rayonnement du cinéma sur le plan international est l'une des missions de votre télé-réalité Dreamcast Show. La saison 2 de votre émission sur le jeu d'acteurs et le cinéma suit son cours. Alors, moi je suis Babi Béga, je suis le directeur général de SioConcept. Je suis ravi de vous accueillir dans Lustre Entreprise. Je suis ravi une fois de plus d'avoir reçu les finalistes de la deuxième saison de Dreamcast Show. Je suis ravi d'avoir soutenu la première saison aussi de Dreamcast Show et soutenir aussi la deuxième saison. Je veux dire mon partenariat avec Dreamcast Show est un partenariat qui se veut très gagnant. D'autant plus que la production de tout leur support publicitaire se fait ici, à SioConcept, la maison du graphisme par excellence. Je sais que vous êtes des lauréats, je suis sûr que vous vous demandez comment est-ce que vos photos font pour apparaître dans les temps d'affiche. Et bon sort. Ok, je vais vous diriger vers mon infographe, je vais vous expliquer tout le processus. Je leur ai présenté les différentes étapes de production de leur support publicitaire. Nous sommes passés par la réception des fichiers numériques, le traitement de ces fichiers par les infographes, le dimensionnement de ces fichiers. Et ensuite, nous avons envoyé ces fichiers à la production. La production où on a un poste de travail pour lancer des impressions. Les impressions qui sont lancées dans des imprimantes performantes, des imprimantes grand format. Nous utilisons ici des Roland des RS640. Après la production des supports, nous passons à l'assemblage, le façonnage par nos techniciens. Être du plus petit au grand format possible. Vous voulez 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, 10 mètres, 20 mètres. Vous voyez des affiches sur les immeubles. C'est comme ça que ça se passe. On dimensionne, on met les dimensions et les photographes traitent. Et après le traitement, les photographes envoient à la cellule de tirage. La cellule de tirage, c'est par ici. Les machines sont connectées. Les machines sont en réseau. Donc il n'a pas besoin de mettre dans une clé USB ou quoi que ce soit. Il transfère. On a notre logiciel d'impression. D'ailleurs, la photo est ici. Elle arrive. Donc, vous voyez la même photo que vous avez vue sur cette machine. Ouais. Il va la balancer ici et elle dimensionne. Après le dimensionnement, c'est pas voilà. Donc le processus c'est simple. Après avoir dimensionné, on a nos techniciens de surface qui mettent le média correspondant. Okay. Si c'est sûr. Ok. Si c'est sûr, autocollant, voilà la photo, elle est déjà là. Ouais. La photo de Gustave est déjà là. C'est cool. Ouais. Elle est dimensionnée. C'est quelle dimension, madame? 1,50 sur 80. C'est une photo d'un 50 sur 80, donc 1,50 m. C'est pratiquement la taille de Gustave. Donc c'est celle de Gustave, n'est pas trop de Gustave. On peut faire plus grand.
Aujourd'hui, nous sommes allés chez Babi Benga, le directeur général de Sio Concept. Alors, Sio Concept, c'est une imprimerie. On arrive là-bas comment? Il y avait cette curiosité-là de savoir comment on arrive à concevoir des affiches. Souvent, on va sur une affiche, il y a des formats grands et d'autres moins grands. Alors, pour satisfaire cette curiosité-là, nos encadrants nous ont amenés là-bas, chez Sio Concept. Et pour voir comment ça se passe, on nous a expliqué le processus. C'est vraiment impressionnant parce que en quelques minutes, vraiment, tu as une photo comme celle-ci-là, ma photo-là, tu as vu? En quelques minutes, je t'assure, c'est impressionnant. On est donc allé, comme il a été prévu, pour aller voir comment les infographes ils font les photos sur... ils font les photos, genre, ils impriment des choses sur d'autres choses, comme par exemple, ils peuvent imprimer une photo sur une tasse ou alors des écritures sur une tasse ou autre chose. On est donc parti chez Sio Concept de M. Babi Benga. Il nous a un peu montré comment ça se passe avec des machines qui peuvent imprimer. Parce qu'eux, ils font plus. Bon, moi, j'ai plus vu qu'ils ont fait sur des bâches. Ils ont imprimé des photos. Il nous a montré étape par étape comment les infographes commencent, comment ils font le transfert de photos avec leur réseau. Donc, la photo peut passer d'une machine à une autre en quelques secondes seulement. Ah oui, oui, oui. Moi, dans mon bureau, tout ce qu'ils sont en train de faire à travers mon serveur, je vois. Alors, monsieur Babi Benga, qu'est-ce qui nous rassure que le seul concept est vraiment l'endroit qui a vu la position de communication? Vous n'avez qu'à témoigner de tout le monde des infographes familiers. Vous voyez comment ils sont beaux. Ils sont pas seulement ils font aussi du bon travail. Donc, nous avons des techniciens. Thank you.
Monsieur Babi nous a reçus. Et une fois sur place, il nous a présenté pas à pas comment se déroulait le travail dans son entreprise. Et j'ai été plus marquée par le fait d'envoyer une photo d'un appareil à un autre. D'où je voulais savoir ma curiosité et j'ai posé la question. Il m'a fait comprendre que tous ces appareils sont liés à un serveur. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, il a expliqué beaucoup de choses et en direct, j'ai vu comment on était en train d'imprimer notre photo. Vraiment, c'était magique, quoi. C'était très, très intéressant. Il s'agit donc de Babi Benga. Voilà, nous avons décidé d'en aller visiter son entreprise appelée le Soul Concept Design. Voilà, c'est une entreprise qui fait donc la communication dans la fabrication des outils de communication. Voilà, s'il faut le dire. Nous sommes arrivés, l'accueil était vraiment très chaleureux par le directeur général en personne, Monsieur Babi Benga. Alors, il nous a très bien reçus. Voilà. Il nous a donc présenté en quelque sorte la structure de son entreprise, comment ça se passe. Il nous a présenté comment on part d'une photo simple pour pouvoir obtenir vraiment une grande affiche. C'était bien, au fait, pour nous, parce que nous avons vraiment vu un peu comment le travail se passe dans l'entreprise. C'est un travail qui se passe en chaîne. Il y a une personne qui conçoit la photo, il traite, il envoie à l'autre, l'autre personne aussi justifie la photo. Avant d'envoyer à l'imprimerie. C'est la bâche que tu utilises. Quand tu veux faire un panneau publicitaire, c'est d'utiliser le copolin. Les panneaux publicitaires qui sont en rebas ont plusieurs dimensions. Il y a deux dimensions principales. 4 mètres sur 3 mètres et 6 mètres sur 3 mètres. Et c'est généralement, c'est imprimé sur du vinyle autocollant. Le vinyle autocollant, ça veut dire on déroule, ça tourne seul. C'est-à-dire que... Bon, maintenant que les t-shirts, on a ce qu'on appelle du papier transfert. Une fois que vous avez du papier transfert. Et il nous a aussi montré, bon, en tant qu'acteurs, nous sommes partis pour connaître comment est-ce qu'on peut vraiment faire si peut-être on tient le rôle principal dans un film. Il nous a montré comment on pouvait utiliser les formats. Ton rôle, peut-être tu as le premier rôle. Et là, plus ton format sera plus grand sur la fiche. Alors, il nous a montré les formats qu'il pouvait y avoir. On peut avoir des photos peut-être 1 sur 80 ou 1,50 sur 80. Donc, longueur de photo et largeur. Mmh.
Babi Benga de CEO Concept, c'est donc un partenaire du Dreamcast Show depuis la première saison. Il nous a fait confiance depuis le début et il continue à nous faire confiance. On ne saurait terminer sans passer par lui pour que les candidats voient le processus de fabrication des supports de communication, en particulier les supports imprimés, qu'ils comprennent l'importance de rencontrer ces graphistes parce que l'acteur est amené à collaborer un certain moment avec le graphiste pour connaître les dimensions que va occuper, par exemple, son image, sa photo sur une affiche, selon la taille de son personnage. Ça également, ça se négocie. Donc, ils ont donc pu être étayés sur le processus de fabrication et comprendre un peu qui est ici au concept et voir un peu la machination qui est derrière une imprimerie. C'était important pour nous parce qu'il fallait déjà que nous allions sur ce terrain pour voir déjà comment est-ce qu'un acteur peut arriver vraiment à discuter ou bien à comment je vais dire, à négocier, s'il faut le dire, voilà, une tête d'affiche. C'est la raison pour laquelle donc, on s'est donc déporté là-bas. Monsieur Benga nous a très bien reçus et il nous a donc expliqué le processus de travail là-bas. Il nous a fait comprendre que bon voilà, on peut obtenir des photos de format 1,50, 1,80, ça dépend de ce qu'on, de ce qu'on veut, ça dépend de ce que le client veut au fait. Et si vous le constatez tout derrière moi là, j'ai une photo là de moi, c'est un format 1,50. Donc en nous expliquant donc, ça se passait par pratique et puis bon, en retour bon, il m'a donc remis comme cadeau ce portrait que j'ai derrière moi. J'étais vraiment très content et ça m'a vraiment permis de comprendre
vraiment comment est-ce que au fait ça se passe donc dans le marketing de soi, voilà, s'il faut le dire. Que moi j'ai plus aimé dans toute cette histoire, c'est quand il nous a remis, il m'a remis personnellement ma photo. Vraiment, c'était une joie totale que enfin j'ai une grande photo comme celle que vous voyez derrière moi. Oh, c'était vraiment waouh! Que c'était pas facile vraiment, j'étais tellement joyeuse que c'est pas vrai, c'est comme si c'était un rêve. Que j'ai une grande affiche de moi là. Oh, je n'arrive pas à exprimer ma joie en fait. Je n'arrive pas, c'était tellement magique. Et on a vraiment vu de très belles machines. Pour moi, c'était la première fois que je voyais ces machines d'impression là sur des objets, quoi. Et c'était vraiment très bien. Et après, donc, la visite qu'on a faite avec Monsieur Babi Benga, il nous a offert un magnifique cadeau. Il m'a fait ma première photo sur une grande bâche. Là, maintenant, je peux mourir en paix. Mais forcément, je ne vais pas mourir. Bon, peut-être si je meurs, on peut prendre ces mètres-là parce que je n'ai pas vraiment une autre photo sur grand format. Vous voyez souvent les photos derrière avec les stars, là. Bon, nous aussi, on a déjà nos photos en tant qu'acteurs professionnels. Donc, il nous a offert ça et on le remercie vraiment. On remercie Showconcept, on remercie M. Babi Benga. J'ai trop aimé cette photo. Bon, le mec noir, là, est-ce que c'est vraiment moi? Je me suis demandé, je suis trop noir. Mais j'aime trop cette photo parce que c'est la première et je les remercie vraiment. C'était une excellente journée. Je suis très ravi d'avoir soutenu la première saison aussi du Team Cachot. Le partenariat avec Team Cachot se passe très bien. Nous sommes une société de production, dégagée publicitaire. Nous sommes sur Concept. Nous sommes situés à Foucault Marché Central, l'immeuble Justin Foucault Marché Central, au troisième étage. Sur Concept est une société de production dégagée publicitaire. Nous faisons aussi dans l'infographie, le graphisme de production. Nous faisons des impressions grand format, banderoles, affiches publicitaires, des gadgets publicitaires, polo, casquettes, t-shirts, pins, des impressions sur tout support publicitaire. Alors, une seule adresse, rendez-vous sur Showconcept qui répond au numéro de téléphone 699 69 48 58. The Show is a program produced by the Cameroon Actors Agency.